Je pense qu'on peut commencer. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous mes amis. Bonsoir à tous ceux qui me suivent, qui nous suivent pour ce webinaire qui sera animé par le professeur Ben Amor de l'université de Monastir de Tunisie. Ce webinaire, il parlera de l'évolution et perspective en orthodontie. Et avant de céder la parole au professeur Benamor, laissez-moi juste le temps de le présenter. Donc, professeur Benamor est un professeur de la faculté de Monastir. Il est le chef de service d'orthodontie de l'université de Monastir. Il est président fondateur de l'Association de recherche scientifique des universités de Tunisie et membre du board arabe en orthodontie et auteur de plusieurs écritures et publications scientifiques, notamment en orthodontie et orthodontie moderne. J'ai eu l'occasion d'assister à une de ces conférences et j'étais sincèrement affecté par son sens de pluridisciplinarité et surtout la vision de la globalité que nous avons tous dont nous avons tous besoin pour un bon traitement global. Parce que comme vous savez, et je céderai bien la parole au professeur pour dire qu'aujourd'hui, la vision de l'orthodontie est une vision globale. Donc, je vais céder la parole au professeur Benamor. Donc, professeur, à toi la parole. Merci, docteur Al-Hal. C'est un grand honneur et un grand plaisir pour moi d'animer ce webinaire. Je sais et surtout que vous êtes le modérateur ce soir. On a le même feeling orthodontique et c'est un grand plaisir toujours de discuter ensemble de notre amour de l'orthodontie. Vraiment, je suis très, très content et je remercie le docteur Mohamed Benazé de nous avoir donné l'occasion justement de discuter et de voir un peu à travers les webinaires. De faire progresser la formation continue à travers surtout le PGO, donc le Postgraduate Odontology. Et donc, bravo donc pour tout ce dynamisme et pour sa contribution dans la formation continue en général, donc surtout les pays francophones. Avec plaisir, j'ai accepté de faire ce petit webinaire. Il est tard quand même ce soir. Je ne vais pas complètement, je vais pas parler d'orthodontie et de choses difficiles. Je vais faire un survol de l'orthodontie. J'espère que ça sera agréable et dans une petite heure où on va voir un peu ensemble comment a évolué l'orthodontie. Sans plus tarder, je vais introduire mon sujet en disant que l'orthodontie a une histoire passionnante, écrite par tant de grands hommes et avec une impressionnante évolution. À travers les époques, l'orthodontie est passée par de nombreux remaniements d'idées, de techniques et de moyens. L'orthodontie, c'est cet art de rendre le sourire meilleur, fondé sur des talents diagnostiques et thérapeutiques, aidés par la technologie. Et donc, c'est une application efficace et efficiente de la science. Donc ça, c'est vraiment, c'est une phrase que j'adore et qui résume un peu justement l'importance de bien faire cette orthodontie. Donc bien sûr, cette orthodontie, elle a une histoire, une évolution. Je vais commencer, je suis un féru d'histoire et des perspectives. Donc je vais commencer par un tout petit peu l'histoire et dans l'évolution, il y a également beaucoup d'histoire parce que je suis un véritable féru d'histoire. Donc, en fait, en 1887, malgré la proposition d'Angle, la profession dentaire aux États-Unis avait refusé d'accepter l'orthodontie comme matière d'enseignement. Les résultats furent qu'en 1900, Angle créa un enseignement autonome de l'orthodontie, c'était à Saint-Louis, et fonda son école. L'orthodontie fut alors complètement séparée des autres spécialités de l'art dentaire. Dans cette évolution, nous allons voir l'évolution des concepts, l'évolution des techniques, l'évolution des moyens diagnostiques. Et enfin, l'évolution des moyens thérapeutiques. Et ça, c'est cette partie-là qui va complètement
justement rejaillir sur le fond de notre pensée et sur cette évolution. Justement, les moyens thérapeutiques ont beaucoup évolué. On va arriver jusqu'aux aligneurs, et j'ai choisi de ne pas montrer beaucoup de cas cliniques, sauf pour les aligneurs, et vous allez comprendre et voir pourquoi. Donc, la première chose, c'est que quand on parle d'orthodontie, on doit avoir à l'esprit qu'il y a eu tout un. Il y a toujours, en fait, un grand débat sur l'extraction versus non-extraction. Est-ce qu'il faut extraire pour avoir un beau sourire, pour avoir une bonne fonction occlusale, ou est-ce qu'on peut se passer de ces extractions-là? Et l'histoire nous montre que, en fait, par exemple, en 1900, on n'extrait pas. Pourquoi est-ce qu'on n'extrait pas en 1900? Parce que Angle, père de l'orthodontie moderne, pensait dur comme fer que la nature ne pouvait pas se tromper et que le bon Dieu nous a donné 32 dents et que, par conséquent, il fallait les garder. Et ce qui fait qu'il a conçu des appareils, Edouard Angle, pour faire de l'expansion. Pour lui, on peut toujours trouver de l'espace sur une arcade. Donc, il a fait l'arc d'expansion. Et donc, il a eu tout un cheminement jusqu'à la découverte de la technique Edgewise en 1928. Malheureusement, il est mort en 1930 sans voir justement l'aboutissement de son œuvre. Mais que faisait Angle, en fait, avec IH, avec le Ribbon Arch? Il faisait de l'expansion. Et ça, en fait, la pensée d'Angle, elle a eu encore des émules dans les années. Donc, pas tout de suite, puisque les techniques d'Emmons, en fait, dérivent de la conception d'Angle, à savoir qu'il ne faut pas extraire, qu'il faut trouver de l'espace, soit devant, soit latéralement, donc soit en faisant de la vestibuloversion, soit en faisant de l'expansion. Donc après, bien sûr, on s'est aperçu qu'avec le cone beam, il y avait quelques dégâts, mais pour lui, donc, il fallait absolument garder toutes les dents. Ça faisait des dents très vestibulées. On faisait quand même un peu de stripping, mais il ne fallait pas extraire. Voilà, on mettait en place toutes les dents. Donc pour lui, il fallait respecter les règles fondamentales. Quelles sont ces règles fondamentales? C'est par exemple l'équilibre labio-lingo-jugal. Donc, pour lui, il faut respecter l'espace de la langue, l'espace des joues. Et si on s'amuse à extraire, bien entendu, on va peut-être corriger un encombrement dentaire pour créer un encombrement pharyngé. Il insistait énormément sur la classe d'angle, donc comme finalité d'un traitement pour une occlusion fonctionnelle. Aussi bien, donc, il faut avoir un bon guide antérieur et en latéralité, soit une fonction groupe, soit une protection canine, et cette belle occlusion de classe 1 qu'il chérissait tant. Donc, pour Angle, une occlusion idéale est le facteur clé de la croissance faciale. La stimulation fonctionnelle suscite le développement des bases maxillaires et rétablit l'harmonie entre le squelette et les dents. Donc, pour lui, Angle disait que l'occlusion était la base de la science orthodontique. Bon. Malheureusement, donc, à la mort du maître, donc en 1930, on l'extrait. Et donc, avec Charles Tweed qui a repris le legs d'Angle, il a repris donc 100 cas traités par Angle sans extraction, qu'il a traités avec extraction, et il a commencé à parler de stabilité des incisives et de stabilité occlusale. Et il a eu pas mal de célébrités qui l'ont suivi, comme Beck, Strong, Nance, tous étaient des disciples d'Angle. Donc c'était en 1940 où lors du congrès de l'AAO, du congrès de l'Association américaine d'orthodontie, il a pris des moulages, des radios, et il a dit, voilà, ceux qui veulent me critiquer font comme moi. Donc ils ramènent avant, après traitement, et on compare. Et donc, petit à petit, les extractions se sont un peu imposées vers les années 30. Donc Charles Tweed, qui est mort en 1970, moi j'ai été formé en technique de Tweed au service d'orthodontie avec l'équipe de Garancière. C'était très passionnant de faire des typodontes, de parler d'ancrage, de parler de force directionnelle. Et donc, il y avait toute une philosophie. Et en ce temps-là, donc, l'orthodontiste était un orfèvre de précision. Donc, toute la théorie de Tweed, en fait, elle se basait sur son fameux triangle de Tweed. En fait, le fait que l'incisive inférieure doit être bien positionnée dans la corticale osseuse, elle doit être pratiquement à 90 degrés. Donc, le triangle de Tweed, si on voulait l'appliquer, pratiquement, il fallait toujours extraire. Et moi, j'ai l'habitude de dire que la céphalométrie, c'est un bon guide, mais c'est un mauvais maître. Donc, je veux bien
être guidé par la céphalométrie, mais je ne la suis pas tout le temps, particulièrement dans ce repositionnement incisif. Et Tuit disait qu'il aimait les profils droits. Donc, pour lui, un profil comme celui-là était ce qu'il affectionnait le plus. Il aime la mandibule lorsqu'elle est proéminente. Et c'est normal si on considère que Tuit, et si on google maintenant tout de suite là, Tuit, on voit sur Wikipédia, on va trouver qu'il était membre du Ku Klux Klan, deuxième génération, et qu'en ce temps-là, dans les années 30, c'était les plus méchants. Et par aversion du profil mélanoderme, il faisait des extractions à outrance. Et c'était à la mode en ce temps-là. Donc, il faut faire attention, surtout dans nos pays, les pays maghrébins, où on a une nette tendance à la biproalvéolie, il ne faut pas s'amuser à reculer les profils et à extraire à outrance. Donc, voilà, moi... Quand j'ai fait ma formation technique de Tuit, on a l'habitude de rigoler et de dire que les profils, les traitements avec Tuit, on arrivait à les reconnaître dans la rue, à savoir qu'ils étaient tous, on dirait qu'il y a un fer à repasser, qui est passé sur le profil, les profils droits et complètement différents donc des profils, d'autres profils. Donc, il y a eu la notion de la croissance qui est rentrée dans nos mœurs thérapeutiques et qui a commencé à emballer un peu les choses. Donc, en 1980, on peut influencer la croissance faciale, c'est formidable. Donc, on s'est mis à parler d'interception et de croissance. Et il y a des noms à retenir, bien sûr, comme Bjork, Skiller, qui ont fait, mais pas que, il y a également donc, Bjork. Donc, Moss, le puzzle mandibulaire de Moss, c'était très, très, très important. Donc, vive la mandibule libre et vive donc la croissance de la mandibule qui pouvait rattraper des décalages osseux. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les phénomènes d'apposition-résorption décrits par Enlow, surtout au niveau de la mandibule, qui nous permet d'avancer et de comprendre justement le déplacement dentaire dans sa globalité. Donc, d'où la vague dans les années 80, 90, des thérapeutiques orthopédiques et fonctionnelles, associés ou non à des thérapeutiques orthodontiques. Donc, l'interception est née, le médecin dentiste et l'orthodontiste, c'était de véritables médecins de famille. On a commencé à parler de fonctions de respiration, de fonctions vitales, comme la respiration, de la déglutition, la mastication, elle était fondamentale et on a commencé à comprendre que si on ne voulait pas avoir de malocclusion, il fallait d'abord traiter les fonctions. Donc, c'était à l'époque des bielles de Herbst, 1920, et puis, toutes sortes d'activateurs, comme l'activateur d'Androzen, qui a fait le premier activateur pour sa fille, ou l'activateur de Robin, ou le château, etc. Donc, si on parle français, on va parler de l'activateur de Claude Chabre. Et vous voyez bien que dans ces appareils orthopédiques ou fonctionnels, il n'y a pas d'Américains. Donc, en fait, aux États-Unis, on avait tendance à dire qu'il n'y avait pas de différence significative entre un traitement en deux temps ou un traitement en seul temps, evidence-based medicine, donc ce n'est pas la peine de faire de l'interception. Or, comme le dit si bien Alain Berry, c'est une perte de chance que de ne pas traiter les malocclusions tôt. C'est une véritable perte de chance et c'est comme si on disait à quelqu'un, voilà, vous avez un cancer, mais attendez qu'il évolue un peu pour le traiter. Donc, c'est très, très important de traiter ces malocclusions le plus tôt possible et on a toujours, nous, en Tunisie, a créé un master en interception et on a toujours focalisé un peu l'orthodontie, on a donné de l'importance à l'orthodontie précoce et j'aime pas tellement le terme précoce, mais à l'orthodontie orthopédique et fonctionnelle. Et bien sûr, il y a le Frankel et surtout pour la classe 3, on fait des formations entières sur le masque facial de Delaire ou de Petit, comment les appliquer, comment avoir... la meilleure biomécanique, comment bien tirer sur ce maxillaire pour rattraper le décalage et ne pas avoir à faire de la chirurgie plus tard. Donc ça, c'est une partie de l'orthodontie qu'il ne faut pas négliger. Et on va dire que c'est surtout les Français, les Allemands, les Espagnols qui ont beaucoup pensé à faire ce genre de thérapeutique et ils ont tellement fait évoluer les choses. Aujourd'hui, justement, même dans les aligneurs, il y a beaucoup on pense beaucoup justement à l'enfant et au traitement interceptif. Donc maintenant, on va parler des critères dans cette évolution des concepts, des critères esthétiques de la beauté qui ont beaucoup évolué aussi. Ce ne sont plus les mêmes critères et ça, bien sûr, il faut toujours l'avoir à l'esprit. Vous voyez ici, c'est The Tuit Profile.
Et donc, ça, c'était dans une revue en 2002 quand même, c'est pas si loin que ça, où encore on aimait les profils qui étaient droits, complètement droits. Et donc, dans les Miss États-Unis, donc on cherchait toujours des profils comme cela. Mais là, bien sûr, il y a eu une évolution ces derniers temps. Black est devenu beautiful. Et justement, on commence à trouver des top modèles, on commence à trouver des actrices, des Miss États-Unis ou Miss France, là, Miss France, qui a des critères complètement différents. Ces critères-là vont bien sûr forger notre façon de voir les choses, notre pensée esthétique, et nous allons de plus en plus avoir tendance à trouver qu'une bouche protrusive est belle. Et si, même s'il le faut, on va rajouter des acides hyaluroniques, c'est un critère de jeunesse que l'on va toujours essayer de rechercher dans nos thérapeutiques orthodontiques. Vous voyez comment les choses évoluent. Et comme c'est passionnant, justement, cette discipline est passionnante, puisque j'étais en train de vous parler de technique, et là, je vous parle d'esthétique, après, je vous parle de croissance, je vous parle de fonction. Il n'y a pas d'aussi belle discipline que l'orthodontie pour s'intéresser à tout. À tout, absolument à tout. Donc voilà un acteur que bien sûr que vous avez reconnu, qui est un top aujourd'hui de l'esthétique, qui est donc Will Smith est vraiment quelqu'un de très charismatique. Et quand on pense que justement il fait beaucoup d'œuvres de bienfaisance, c'est culte de la personne bien faite. Et une tête bien faite et bien pensante. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus, on ne peut plus faire de retour en arrière. Les critères de l'esthétique faciale ont changé, même si il y a toujours, on recherche toujours des normes canoniques, c'est toujours, mais on essaye de s'éloigner des recettes classiques, donc qui ne sont plus aussi strictes. Bien sûr, on tente malgré tout de mettre encore la beauté en chiffres. Regardez ici ce canon du Belvédère. À travers les angles, on essaie de retrouver justement des critères d'harmonie faciale, des critères où vont se mêler les jeux de courbes et de contre-courbes qui, comme dans toutes les disciplines de l'art, bien sûr, vont faire qu'une chose est belle par rapport à l'autre. Mais également à la recherche de l'esthétique dynamique, le sourire. Aujourd'hui, on ne cherche plus la beauté uniquement statique, mais on cherche la beauté dynamique. Et bien sûr, c'est l'air du sourire. Qu'est-ce qu'on regarde la première chose chez une personne? C'est son sourire. On va aller à la quête du sourire. Et bien sûr, ce sourire, ce n'est pas que l'orthodontie qui va le donner. C'est les dents blanches, c'est la paro, et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé de travailler en pluridisciplinaire et de voir les choses dans leur globalité. Regardez cette jeune fille, qui a l'air tellement triste. Quand on va lui demander de sourire, son visage s'illumine. Et donc le sourire est tout ce qu'il y a de plus important dans un visage. Et dans notre discipline, on doit le faire passer avant toute autre chose. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on cherche des courbes du sourire à la fin de notre traitement qui laissent le sourire harmonieux. Donc l'évolution des techniques. Ça, c'est assez classique, mais c'est bien d'y revenir, orthodontie fixe ou amovible. On sait qu'au départ, c'était une orthodontie amovible avec Olé qui faisait des plaques. En fait, l'arrivée en Europe du multibag, dans les pays où il n'y avait que de l'orthodontie amovible, a généré des querelles sur un fond de reconversion très difficile pour ceux qui ne maîtrisent pas l'appareillage fixe. Donc, malheureusement, l'appareil amovible, en fait, il fait surtout des déplacements vestibulo-lingo. Rarement, il peut corriger une rotation maxillaire et rarement, il va pouvoir vous fermer un diastème comme ceci. Bien sûr, le diastème pourra se fermer, mais les racines vont s'éloigner et il y aura un mouvement de rappel absolument inévitable. Donc, bien sûr, d'où l'importance justement de toutes les connaissances biomécaniques en orthodontie pour maîtriser le déplacement dentaire. Donc là, les ressorts poussoirs, etc. Cette orthodontie amovible n'a pas connu beaucoup de succès, ce qui a fait dire à Olé qu'il était disposé à donner la moitié de ses honoraires à toute personne qui s'occuperait de ces cas après qu'il les ait terminés. Donc cela veut dire qu'il avait beaucoup de récidives et que la contention en elle-même, en fait, il valait mieux qu'elle soit gérée par quelqu'un d'autre.
Donc d'abord, revenons un peu sur la technique de base, à savoir la technique Edgewise standard ou arc droit. On va voir cette évolution. Donc moi, quand j'ai fait ma spécialité, je l'ai faite, il n'y avait que des bagues. Il y avait que des bagues comme ça, monoplots, en technique de tuiles. Donc on mettait des crochets. C'était vraiment très difficile. On revenait le soir avec des mains complètement ensanglantées. Parce que toute la technique, on n'était pas aidé du tout par la technologie. Donc, on devait considérer les angulations. Donc, c'est ce qu'on appelait le premier ordre. En fait, le bracket d'angle est d'une épaisseur identique pour toutes les dents, alors que les dents, en fait, ont toutes, en fonction de leur type, une épaisseur différente. En 1970, l'information est passée dans le bracket et on a vu l'apparition des arcs en iti. On doit cela à ce monsieur qui est Andrews, Laurence Andrews. Laurence Andrews, en fait, quand il a conçu son premier bracket d'arc droit, son premier bracket lui a coûté le prototype lui a coûté 2 000 $. Et c'était un monsieur qui était complètement acharné. Il était convaincu qu'on pouvait transférer les informations que l'on mettait sur l'arc directement dans le bracket. Donc, on est passé d'une image comme celle-ci à une image comme celle-là, où on avait des brackets qui étaient beaucoup plus confortables et où on n'avait pas besoin de mettre l'information sur l'arc, puisque l'information, à savoir le torque, l'angulation et l'épaisseur, sont en fait présentes toutes dans le bracket. Bien sûr, on ne peut pas faire de pilotage automatique si on ne fait pas de pilotage manuel, si on ne maîtrise pas le pilotage manuel. Par conséquent, toutes les notions de pliage demeurent essentielles. Toutes les notions de diagnostic demeurent essentielles. Et alors aussi, en fait, c'est un bagage complet pour justement respecter la fonction occlusale et respecter les dents. Et moi, je dis que la meilleure chose que l'on peut faire chez un patient, c'est lui assurer la pérennité de ses dents au moins jusqu'à 70 ans. Parce que jusqu'à 50 ans, on perd les dents pour raison carieuse. À partir de 50 ans, c'est souvent pour une raison occlusale. En disant cela, je pense aux malocclusions de classe 2, division 1, où, en fin de compte, l'appareil stomatognathique, à un certain moment, il lâche. Et avec le parodonte, il va y avoir également donc, des pertes, des mobilités dentaires, avec des pertes dentaires. Donc, comme l'Edgewise d'angle en 1930, l'arc droit d'Andrews a été aussi une révolution. Donc, en Edgewise standard, l'arc est le support de l'information. En arc droit, le bracket est le support de l'information. Donc, bien sûr, l'idée originale d'Andrews, c'était de faire un peu ce type d'antirotation, de torque et d'angulation. Donc, il a mis 7 degrés de torque sur les incisives, etc., etc. Et très vite, ceux qui ont commencé à travailler en technique d'Andrews originale ont déchanté. Et pourquoi? Parce que ils étaient toujours obligés de rajouter du torque, de rajouter des angulations, de rajouter des anti-rotations, parce que c'était complètement insuffisant. Donc le contrôle était insuffisant, d'où la nécessité de revoir ces informations moyennes pour mieux les adapter aux besoins mécaniques. Et c'était le concept de Roth. Roth, c'est donc aujourd'hui, disons, c'est le titulaire de l'orthodontie universelle. 80% des orthodontistes dans le monde travaillent selon le concept de Roth. Voilà Ronald Roth. Et l'idée de Roth, c'est de faire ce qu'on appelle des surcorrections. Donc, c'est comme quand on veut réussir une bonne recette de cuisine. Nos grands-mères nous disent de toujours rajouter des épices. C'est un peu ça. Lui, il rajoute du torque, il rajoute de l'angulation. Comme cela, en fait, quand l'arc est sous-dimensionné, il ne va pas les lire complètement. Et donc, ce qui fait que il n'y a pas de problème avec l'arc droit de Roth, comme il y en avait avec Andrews. Donc, en fait, il y a pas mal de techniques aujourd'hui et qui méritent d'être enseignées, qui méritent d'être suivies. Donc, il y a la technique de McLaughlin, il y a la technique d'Alexander, il y a la technique de Beck. Donc, il y a pas mal d'auteurs. Donc, bien sûr, il y a la technique d'Emone, il y a la technique du Pitts maintenant, 21. Tout le monde, en fait, toutes les personnes qui pensent
ramener un plus, vont changer les informations et vont être titulaires justement d'un appareillage qu'ils vont trouver plus intelligent que les autres. Mais en fait, je peux dire qu'aujourd'hui, après 30 ans d'exercice de l'orthodontie, je reste sur la technique de Roth. C'est vraiment la technique universelle en orthodontie. Bon, bien sûr, on peut également évoquer les techniques linguales, mais dans mon service, donc on ne fait pas beaucoup de linguales. On a fait un peu de linguales, surtout du 2D de Forest Adam, mais vu que les patients souffrent, on a trouvé que les patients souffraient beaucoup de décollement et les langues se blessaient. Et on a des patients particuliers dans le pays, en fait, ils ne tolèrent pas trop les douleurs et il n'y a pas de très, très bonne hygiène. Et donc, comme traitement esthétique, pour moi, la technique linguale n'était pas idéale. Et donc, on a attendu justement les aligneurs pour faire des thérapeutiques esthétiques qu'exigeaient certains patients, comme des hôtesses de l'air ou des acteurs, etc. Donc, bien sûr, ils ont raison de vouloir quelque chose qui ne se voit pas. Alors, les moyens diagnostiques, je vais aller assez rapidement là-dessus. Donc, on est passé d'une céphalométrie 2D à une céphalométrie 3D. Je revois avec vous un tout petit peu, justement, l'évolution de la téléradiographie et de la céphalométrie. En 1937, c'était une révolution de voir ce céphalostat et donc de pouvoir positionner le patient de sorte à avoir une panoramique ou avoir une téléradiographie de profil. Et c'était très amusant. Donc, au début des années 40, les études descriptives de Broadband, de Brody, présentent la croissance faciale comme un phénomène rayonnement et proposent autour. Vous voyez ici, quand même, on a vu une très, très belle évolution des choses. Donc, il y a des auteurs qui ont publié des articles archi intéressants à lire. Donc, bien sûr, moi, j'ai toujours un bouquin à côté de moi et je publie autant que possible et je lis également le plus possible. Bon, donc, il y a Jean Delair qui disait que la géométrie plane est inapte à l'analyse d'un volume anatomique et de sa croissance. Comme je vous le rappelle, je disais que la céphalométrie est un bon guide. Donc, si je veux voir un décalage, c'est bien de voir certains angles, mais c'est un mauvais maître puisque parfois, il va nous induire en erreur. Donc, en 1998, l'équipe de Trey a tenté de mettre au point une céphalométrie 3D. Donc, c'est en 1998. Donc, on nous a ouvert le logiciel. On a essayé d'adhérer justement à cette céphalométrie 3D, au protocole de recherche. Donc, on a poussé, mais en fin de compte, on s'est aperçu que cette céphalométrie 3D, quand même, qui se base sur des repères anatomiques tels que le trijumeau, etc., et en fait, elle n'était pas d'un plus certain pour l'orthodontie. Puis, il y a eu, bien sûr, le Dentascan et le Conbeam qui sont un peu rentrés dans nos mœurs. Aujourd'hui, on arrive à voir, justement, les corticales osseuses. On arrive à voir comment vont se déplacer les dents. Et aujourd'hui, surtout avec Artstream, on va arriver à avoir des analyses céphalométriques complètement sur le Conbeam. On n'aura plus besoin de téléradio. Dans les cabinets, surtout si on nous permet, on pourra installer des Conbeam qui vont nous permettre de voir si on peut justement vestibuler les dents ou si ces mouvements sont dangereux pour les corticales osseuses et pour donc engendre des mobilités. Donc, vous voyez ici ces photos que vous connaissez tous, bien sûr, parce que un bon médecin dentiste, un bon orthodontiste, va bien sûr faire tous les examens complémentaires avant de poser son diagnostic et son plan de traitement. Alors maintenant, venons-en aux moyens thérapeutiques, l'évolution des moyens thérapeutiques. Donc, il y a des nouveaux matériaux et matériels. Vous voyez, j'ai toujours tendance à dire que j'ai presque vécu, moi, les bacs des Vinces et de Chang. Et j'ai vu un peu une très grosse évolution des bagues, des braquettes, des tubes. Voilà, les tubes à coller. Maintenant, on met presque plus du tout de bagues. On colle et les colles sont devenues de plus en plus performantes. Merci à l'orthodontie linguale qui a beaucoup fait évoluer les choses parce que pour qu'une dent puisse bien adhérer du côté lingual,
Si elle adhère bien comme il faut du côté lingual, c'est que du côté vestibulaire, c'est bon. Donc, on arrive à avoir plus de 98% de réussite dans le protocole de collage. Et bien sûr, il y a différents designs. Il y a eu même une époque où on a eu des braquettes en or, mais maintenant, ils ont disparu parce que on s'est aperçu qu'il y avait un électrogalvanisme. Les braquettes en céramique ont également beaucoup évolué. Et maintenant, elles sont avec des tiges métalliques pour le contrôle du torque. Bien que moi, je n'ai jamais beaucoup aimé les braquettes céramiques et j'ai jamais trouvé, je ne les ai jamais trouvé esthétiques. Et je trouvais également que je ne voyais pas bien pour quand on mettait les ligatures. Donc, il y avait toujours beaucoup plus de problèmes qu'avec les braquettes métalliques. À chaque fois qu'un patient, je peux le convaincre de ne pas mettre de céramique, parfois, je le fais. Maintenant, aujourd'hui, bien sûr, c'est l'apogée des techniques autoligaturantes. Personnellement, je fais beaucoup de cas en technique auto-ligaturante. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de frottements, les traitements sont plus rapides. Certains disent que, bien sûr, ils sont peut-être trop rapides parce qu'on n'arrive pas à encaisser le prix du traitement, tellement le traitement va vite. Mais donc, bien sûr, chaque boîte, je dirais, va inventer son braquette auto-ligaturante. Moi, je conseille en général d'en essayer certains et surtout de penser au clapet. Celui qui a le clapet le plus résistant, celui qui ne casse pas trop, eh ben, c'est celui que je garde. Ça m'amuse de mettre ces photos-là, anciennes en fait, où ça évoque le temps où on faisait des boucles quadrangles pour corriger les rotations, des boucles en U pour corriger les mouvements vestibulo-lingaux, des boucles en double L, et on mettait des crochets comme ça, soudés, avec des élastiques. C'était amusant. Repense à ça, c'était un calvaire. Aujourd'hui, il y a des arcs en nickel titane, soit super élastique, soit à mémoire de forme. Mémoire de forme, donc, on les garde surtout pour leur effet caoutchouteux. Moi, j'aime bien le super élastique quand on peut le mettre, quand il passe, comme ici, par exemple, la photo de gauche, quelle que soit la contrainte, en fait, la super élasticité va pouvoir engendrer un mouvement continu jusqu'à... Donc, le problème avec les arcs Niti, c'est que ce sont des arcs qui travaillent toujours et donc, il faut faire très attention à l'expansion qu'ils peuvent générer et à la vestibuloversion. C'est pour cela que, encore une fois, comme je le dis, il faut connaître sa biomécanique. Il faut faire très attention parce que quand il y a des dégâts, après, c'est très difficile à récupérer. Alors, maintenant, comme je le disais, dans les moyens thérapeutiques, il y a la notion d'ancrage orthodontique qui a elle-même évolué, puisque au début, on parlait de la préparation d'ancrage selon Tweed. Donc, on parlait de mettre les dents en piquet de tente. C'est comme, je donne toujours l'exemple du Boy Scout qui emmène sa tente et qui met ses piquets à la verticale. Le soir, il y a un vent et en fait, il se retrouve sans tente. Donc, qu'est-ce que le Boy Scout devait faire? En fait, la première chose qu'on apprend à un bon Boy Scout, c'est de bien dresser, de mettre les piquets à l'horizontale, complètement incliné, de sorte à ce que les forces du vent ne balancent pas la tente. Et donc, c'était le précepte de Tweed. Il préconisait toujours le 10-2 système, c'est-à-dire de mettre les dernières dents en piqué de tente. Comme ça, il n'y a pas d'avancée des dents mandibulaires et il n'y a pas de perte d'ancrage. Et donc, bien sûr, on nous enseignait cela sur les typodontes qui nous permettaient de voir justement ces mouvements parasites et comment on pouvait les empêcher. Donc, il y a eu par la suite pas mal de moyens de renforcer l'ancrage qui ont été décrits, jusqu'à l'arrivée des mini-vis d'ancrage en 2003 grâce à Birk Nielsen, qui a souvent été nominée meilleure orthodontiste, qui est une Danoise, qui est une amie et qui vient toujours donner des conférences. C'est toujours un plaisir de parler, de discuter avec elle. C'est une amoureuse de l'orthodontie. Et donc, elle a commencé à parler des mini-vis d'ancrage. Et donc, en fait, c'est très simple. Donc, ces vis-là que l'on place entre les racines des dents, à l'horizontale, en fait, même si elles sont en titane, en fait, il ne va pas y avoir de stéo-intégration et par conséquent, on les mettait et quand on n'en avait plus besoin, on les enlevait facilement. Souvent, donc, elles ont
la forme d'un bracket et on peut accrocher des arcs, on peut accrocher des élastiques et on peut se servir pour s'en servir pour renforcer l'ancrage. Et donc je pensais mettre des câbles et je me suis dit ça va être trop lent quand même, c'est pas le but. Donc vous voyez ici ces mini vis quand ils sont placés, on peut les utiliser comme on veut, que ce soit sur un appareil complet ou une partie d'appareil. Dans cette évolution, la question que je vais me poser maintenant, quel apport de l'informatique? Et bien sûr, nous vivons aujourd'hui à l'ère du numérique. Nous vivons à l'ère où justement, si on ne maîtrise pas toutes les disciplines de la médecine dentaire, si on ne maîtrise pas l'informatique, en fait, on ne peut plus faire concurrence avec cette jeunesse qui explose et qui justement avec l'informatique va faire avancer les choses. Et on va parler justement maintenant de l'orthodontie digitalisée, c'est-à-dire des aligneurs. Donc dans le service d'orthodontie, nous avons eu une petite expérience avec Aeon Aligner, avec Invisalign, avec les Smile Expert, et donc on a pu comparer un peu ces techniques. Donc il y a pas mal de bons résultats. Aujourd'hui, sur la Tunisie, on fait beaucoup plus de Smile Expert et on a également de bons résultats. À un certain moment, on faisait Invisalign. Et au début, on a commencé par Aeon, mais même avec Aeon, on a traité des cas avec extraction et c'était assez intéressant. Donc, je rappelle un petit peu l'historique, bien que ce n'est pas le but de mon travail aujourd'hui. Donc, en fait, c'est deux étudiants universitaires en 1997 qui ont eu des traitements qui ont raté, et donc c'était deux ingénieurs, et comme on n'a pas voulu le refaire de traitement, ils se sont recroquevillés dans un garage. C'est à ranger les dents sur un ordinateur, et par la suite, donc ils ont réussi leur cas, et ils ont revendu le premier kit en 1998. Ce genre d'appareils donc, ont été inclus dans les cours dentaires en 2003, ces aligneurs, en fait, en 2011, il y avait 2 millions de patients qui ont été traités, 6 millions en 2018, 10 millions en 2020, et Dieu sait où va-t-on. Donc, moi, je dis, quand on a quelque chose qui marche comme cela, qui est en train de monter obligatoirement, donc les autres techniques vont baisser petit à petit. C'est pour cela que les boîtes aujourd'hui, elles sont intelligentes et chacune est en train d'essayer de valider son type d'aligneur. Donc, les aligneurs sont devenus des appareils orthodontiques valides et efficaces. Et je voulais vous passer certains cas traités dans le service pour vous montrer que les choses ont évolué. Voici une petite patiente, une patiente quand même âgée de 23 ans qui présente un encombrement dentaire. Donc, elle ne veut pas d'appareillage fixe. Donc, je vais passer assez rapidement. Vous voyez que si le profil est convexe, le sourire est normal. Donc, en vue endobucale, on voit que les incisives sont très vestibuloversées, les incisives supérieures, et par conséquent, si on met un arc ici, elles vont décoller complètement. On s'aperçoit également qu'on a une prémolaire qui est totalement en rotation. Donc, c'est vrai que si on va lui demander de porter des aligneurs, il en faudra peut-être beaucoup. Il faudra peut-être penser à corriger cette prémolaire par un artifice avant de passer aux aligneurs. Donc, vous voyez ici l'aubergette, donc une pro-alvéolie, c'est vraiment assez disgracieux et elle a absolument raison de penser à son sourire et de penser à se faire plaisir à 23 ans. Donc, ça m'amuse beaucoup. Ça, souvent, en fait, aujourd'hui, je vois beaucoup de retraitements, des patients qui ont eu un traitement assez délicat dans leur jeunesse. Ils ont de mauvais souvenirs. Et les parents les emmenaient chez l'orthodontiste et il y avait des activations, ils avaient mal et tout. Et ici, ils se font un deuxième traitement pour se faire plaisir. Et vas-y avec les aligneurs. Panneaux et télé sont des gestes réflexes en orthodontie. Donc, moi, je suis absolument contre ne pas prendre de radiographie. Donc, vous voyez, c'était ce petit artifice pour corriger un tout petit peu sans que cela se voit. La 15 par un couple de force. On remet la dent en bonne position et puis on propose un traitement Invisalign à la patiente.
Donc, vous voyez ici, on nous propose 14, 17 gouttières au maxillaire et 15 gouttières à la mandibule avec un stripping et avec la pose de taquet pour faciliter les mouvements, pour réussir les mouvements surtout de rotation. Donc, on envoie un clean check, on le corrige et donc on valide. Et par la suite, donc, on va coller les taquets. On nous donne donc une grille de taquets qu'on a à coller. Vous voyez ici les taquets qui sont collés sur pas mal de dents. Donc, la patiente va porter ses gouttières et elle va les enlever toutes les deux, les changer toutes les deux semaines jusqu'à ce que les dents arrivent à la position voulue dans le clean check. Donc, on vérifie avec la visionneuse si les dents ont bien évolué. Regardez, la forme d'arcade est en train de changer. Ce qui est intéressant ici, c'est de constater qu'on a, en fait, c'est comme le prêt-à-porter, on a des mouvements ponctuels. Donc, quand on dit cette dent-là va bouger à ce moment-là, eh ben, elle bougera à ce moment-là. Et on va pouvoir programmer nos mouvements. Et nos mouvements ne sont pas comme en multivac, c'est-à-dire toutes les dents se déplacent en même temps, un peu comme le train. Vous prenez le train et en fait, vous devez vous taper toutes les gares. Non, là, c'est comme également en couture, c'est de la haute couture. On va pouvoir déplacer les dents chacune comme on veut. Donc voilà, la patiente va porter ses gouttières. Bien sûr, on lui recommande de les porter 22 heures par jour et d'avoir une bonne hygiène. On fait pas mal de travaux sur les aligneurs, sur l'hygiène. Il faut penser bien sûr à tout parce que là, c'est du plastique et par conséquent, il peut y avoir des bactéries qui vont s'agglutiner. Et donc, on a fait dernièrement, on a publié un article justement sur la feuille d'arbre à thé comme antiseptique pour justement garder bien ses gouttières complètement sans bactéries, donc complètement aseptiques. Regardez l'évolution des choses. Le stripping, là, illustration du stripping, les formes d'arcade évoluent, les dents, en fait, elles rentrent un tout petit peu, elles rentrent bien. Là, en fait, il y avait l'assiette qui n'était pas en éruption, elle est en train de faire son éruption. Et voici notre patiente en fait un traitement. Face, il n'y a pas de changement, mais par contre, au niveau du sourire, c'est un sourire qui est beaucoup plus charmant. Et donc, la patiente, comme on le voit ici, est très contente de son résultat. Elle regarde une petite contention collée au maxillaire et à la mandibule. Vous voyez ici, je ne sais pas si vous vous rappelez comment étaient les incisives supérieures, mais on a maîtrisé leur position et on a conservé la classique canine et molaire, garant de la stabilité de l'occlusion. Donc, on contrôle l'occlusion dynamique en latéralité droite et latéralité gauche, et en guide antérieur, donc en propulsion antérieure. On prend nos radios de contrôle, et il n'y a pas de problème, il y a de bons axes, les axes sont bien parallèles, c'est très important dans un traitement d'orthodontie. Et vous voyez ici l'ampleur des mouvements qui ont eu lieu, et vous comprenez qu'on arrive à déplacer les dents avec ces petits artifices, et grâce à quoi? Grâce justement au numérique, grâce à la digitalisation. Et je pense que l'avenir de l'orthodontie est vraiment à la digitalisation. On peut discuter longuement sur cela, comment on voit les choses, est-ce qu'il faut faire confiance aux firmes, est-ce qu'on peut faire du homemade, est-ce que, donc là, la discussion n'est pas finie, mais il faut absolument, moi je dis, quand on aime une discipline, en fait, on essaye de maîtriser tous ces aboutissants. Regardez la différence avant-après. Et c'est un cas qui a été jugé très intéressant. Vous voyez ici, regardez la forme d'arcade. Il a été jugé très intéressant, de sorte que, donc on a là, le milieu, coïncidence, regardez la forme d'arcade. Je laisse un peu ces photos pour voir justement comment on a bien évolué. Et ce cas a été jugé intéressant et il a été publié dans une revue impactée qui est Scholars Academy and Scientific Publication. Donc ça, c'est le certificat de publication et donc c'est un article qui a été jugé très utile. Un cas qui a été très utile, c'est une publication de type cas clinique. Alors, un deuxième cas, une jeune patiente, comme je vous l'ai dit, qui est venue pour une récidive. Donc, elle a eu un petit traitement quand elle était toute petite. Maintenant, elle a 23 ans. Et regardez la contention qui a cédé, la latérale là. Une jeune fille comme ça, elle ne peut pas rester comme ceci. Vous voyez ici l'encombrement à la mandibule, l'arcade qui est étroite, malgré le fait que l'occlusion, surtout du côté
Gauche, en fait, elle est en une parfaite classe 1 canine et molaire, pardon, du côté droit, et du côté gauche également, c'est une classe 1. Donc, un petit diastème, une latérale en version, un encombrement mandibulaire, ce sont des cas que l'on rencontre de plus en plus et qui viennent pour une demande bien précise. Ils veulent des traitements qui ne sont pas trop longs, qui sont esthétiques et ils sont prêts à mettre le prix parce que, bien sûr, la beauté et le sourire n'a pas de prix. Donc, le bilan radiologique, on colle le taquet, vous voyez ici. Donc, s'il y a du stripping à faire, on le fait également et on va discuter avec notre un interlocuteur pour savoir s'il y a justement à quel moment on va faire le stripping. Donc, c'est pour cela que, par exemple, moi, j'aime beaucoup travailler avec Smile. Pourquoi? Parce que on a un contact direct avec les techniciens qui sont souvent des médecins dentistes et donc qui nous comprennent quand on leur pose des colles ou on demande des choses bien précises ou des taquets bien précis pour corriger des rotations particulièrement, puisque ces rotations sont en général très difficiles à corriger. On va passer assez rapidement puisque on est là. Ça va, oui, regardez ici, classe 1 canine et molaire. Parfaite classe 1, le cas a été corrigé, l'encombrement est en train de se résorber, la forme d'arcade est bonne. Donc là, elle met ses gouttières et regardez ici, on est en fin de traitement et on constate que les milieux coïncident, que les arcades en fait ont des formes congruentes et que la supraocclusion qui avait également été un peu corrigée. Regardez donc la patiente de face et de profil, mais ce qu'il faut surtout apprécier, c'est son sourire. Et son sourire, il est radieux. Elle était super contente à la fin de son traitement. En fait, elle s'est faite plaisir et nous aussi, on s'est fait plaisir et on lui a fait plaisir. Donc voici également votre fin de traitement avec la contention collée en haut et en bas. Voyez la fin de traitement, le respect du parodonte, comme toujours. On a absolument maîtrisé la situation. On a fait notre contrôle radiologique et on voit que les racines sont complètement parallèles. Et en fait, c'est un cas qui est très réussi. Encore une patiente âgée de 23 ans qui consulte pour un motif esthétique. Et alors, quand on voit ici le sourire, on s'aperçoit qu'il est gingival avec une palatoversion et on voit que le profil est un peu tendance classe 2, division 2. Donc, on voit ici un cas quand même qui est plus difficile que les autres, avec une supraocclusion incisive, avec une malocclusion de classe 2, avec un encombrement qui est conséquent à la mandibule. Et par conséquent, si on veut le prendre en multibac, ça va être peut-être assez facile, sauf que le parodonte est fin, et là, on va avoir peur des mouvements de vestibuloversion à la mandibule, et on pourra créer des déhiscences et des fenestrations si on ne fait pas très attention. Le bilan radiologique, vous le voyez ici, panneau et télé, donc, qui nous permettent de poser un diagnostic bien précis et de demander justement des mouvements particuliers ou des mouvements précis. Voici donc ce que requiert le traitement comme taquet et comme stripping. Donc je passe. Je passe. Donc voici quelques étapes. Vous voyez ici, on se dit, mais comment va-t-on corriger cette supraocclusion? Donc également, on va relever un peu la lèvre. Regardez, vous allez le constater. Regardez ici. Donc évolution du cas. Vous voyez que la supraocclusion est en train de se corriger, l'encombrement également. Donc bien sûr, ceci va se faire par des mouvements de 0,25 à 0,3 mm. Tels qu'ils se font sur l'ordinateur. Donc, en fait, d'une gouttière à une autre, on va faire au grand maximum des mouvements de 0,25 à 0,30 à 0,3 mm, ce qui fait que, justement, en fait, c'est des mouvements soft et c'est le nombre de gouttières qui va faire en sorte que les mouvements vont aboutir au résultat escompté. Vous voyez, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est justement la modification de ces formes d'arcade qui prouve que, en fait, il y a du mouvement et il y a des résultats. Voici le bilan de fin de traitement. Regardez le sourire ici. Donc,
la gencive est complètement repositionnée, donc la lèvre est repositionnée par rapport aux gencives, et ça, c'est de l'orthodontie contemporaine, et c'est une véritable évolution dans notre pensée orthodontique. Donc aujourd'hui, on pense énormément aux fonctions, on pense énormément au sourire, et on pense surtout à faire des déplacements qui ne soient pas trop mutilants et trop difficiles. Mais souvent, on est rattrapé par les résorptions radiculaires. Et bien sûr, quand on ne fait pas d'extraction, il y a moins de risques de faire de résorption quand on fait des mouvements qui ne sont pas compliqués, donc on n'utilise pas des forces lourdes. C'est ça l'inconvénient du multibac. Souvent, on a l'impression que si on tire sur une chaînette un peu plus fort, en fait, les dents vont se déplacer plus rapidement et on a un meilleur résultat. Et c'est là où on se trompe. Et souvent, c'est là où on crée des dégâts. Donc, je vous laisse voir justement l'évolution de ces formes d'arcade, la correction de cet encombrement dentaire, la correction de cette supraocclusion et également regarder en occlusion. Il y a une parfaite, pas de prématurité en latéralité et on a un parfait guide antérieur. Et c'est la garantie justement d'un bon résultat et d'une pérennité de l'occlusion à long terme. Et c'est le rôle de l'orthodontiste justement de garder l'occlusion. Avant, regardez, après, la supraocclusion qui est complètement corrigée, les formes d'arcade, donc c'est complètement bluffant. Donc, j'ai fait exprès de choisir ces cas-là parmi tant d'autres pour vous montrer l'évolution, justement, de notre pensée en orthodontie et comment on se replace par rapport aux thérapeutiques contemporaines. Donc, vous voyez, c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que de ce qui est fait à la maison. Et on essaye aujourd'hui de faire du homemade, bien qu'aujourd'hui dans le service, donc on a reçu une formation sur le logiciel Ortho Analyze, puisqu'on a le TriShape, on a le Formalab ici, et on est occupé pour faire du homemade, mais c'est quand même, comme j'en discutais tout à l'heure avec mon ami docteur. Comment? Oui, comme j'en discutais avec mon ami le docteur Mohamed Zahad. C'est vrai que quand même, ça requiert beaucoup de temps et parfois, le temps, c'est de l'argent. Donc, on peut s'amuser à faire quelques cas en s'équipant justement de toute la technologie et en essayant d'évoluer et de faire une équipe. Mais souvent, il est préférable de recourir à des professionnels. Et ça, bien sûr, le débat est encore... n'arrête pas, donc quand on l'aime, on ne compte pas et on n'arrête pas d'évoluer et d'apprendre. Et c'est ça ce qui est passionnant dans cette discipline. Alors pour terminer, je vais parler un tout petit peu de perspective. J'ai beaucoup enlevé de choses sur les perspectives. Je ne voulais pas trop embrouiller mon propos, mais il y a des perspectives qui sont intéressantes en orthodontie. En fait, la génétique, les corticotomies, les distractions alvéolaires, le nouveau braquette et le fil complètement transparent, pourquoi pas? On peut mettre un appareillage qu'on ne voit pas. Vous ne rêvez pas, c'est possible. C'est possible demain de porter. On n'aurait jamais cru déjà en arriver jusqu'à là. On n'aurait jamais pensé qu'il y ait autant d'argent qui soit investi justement dans les braquettes pour les rendre aussi intelligents. Et là, justement, regardez les portables, les téléphones portables. Il y a 20 ans, on n'aurait jamais imaginé avoir des caméras et des téléphones comme ça où on se voit et on discute et même les enfants les utilisent. C'est extraordinaire. Ce que nous vivons, c'est une ère du numérique absolument fabuleuse. Donc, la thérapie génique, bien sûr, aujourd'hui, on a pu trouver le gène responsable des malocclusions, le MSX1, MSX2. Donc, il y a pas mal d'articles que l'on lit. Nous-mêmes, on a un axe de recherche sur la génétique. Il y a des travaux. Donc, je félicite justement l'équipe, surtout de Garancière avec Bifan, avec Ariel Berdal et Bifan et Julia Cohen. Donc, ce sont des gens qui ont pu, c'est des grands chercheurs qui ont pu justement trouver la responsabilité le trou. Le MSX1 et le MSX2, voilà Brigitte Bifan, avec qui donc j'ai fait une partie de ma formation, qui donc l'influence du MSX1 sur la croissance crânio-faciale
Et bien sûr, un jour, on pourra faire de la thérapie génique pour corriger les malocclusions dentaires. Et ça, j'en suis absolument convaincu. Les corticotomies, je vais très rapidement en parler. J'aime pas beaucoup. Donc, il y a même des associations, des sociétés d'orthodontie rapide. Moi, je considère qu'on ne peut pas... c'est vrai qu'on peut avoir des traitements 3-4 fois plus rapides, mais il y a très peu de patients, surtout dans nos populations, qui vont accepter d'être charcutés de la sorte pour juste avoir un traitement plus rapide. On a le temps. Moi, je dis toujours que dans nos pays, donc on a le temps. On a le temps, on n'est pas pressé. Et donc, bien sûr, on peut trouver des appareils comme, on peut faire de la distraction alvéolaire, on peut trouver des appareils comme des axelles ortho. Donc, bien qu'on a fait pas mal d'études sur ces appareils-là, on n'a pas trouvé qu'ils étaient particulièrement efficaces. Donc, il y a beaucoup de travaux sur l'accélération du mouvement ortho. Je peux vous citer pas mal de choses. Il y a même la lumière, il y a lumière ultraviolet, il y a pas mal de recherches qui se font sur l'accélération du mouvement, mais ce n'est pas encore aussi pertinent que la génétique. Donc, je vous disais également, aujourd'hui, un jour ou l'autre, qu'il y aura un bracket complètement invisible. Vous voyez ici, il y a un arc, mais vous ne le voyez pas. Voilà, il y a un arc, mais vous ne le voyez pas. Pourquoi? Parce qu'il est tout simplement invisible. Et pourquoi pas, un jour, voilà, c'est un système totalement invisible. Ici, il y a un bracket et un arc, mais vous ne les voyez pas, ils sont invisibles. Et on peut en rire aujourd'hui, et peut-être que demain, ça sera vraiment le pain quotidien, et ça sera absolument complètement banal. Et donc, pour conclure, j'en suis arrivé à ma conclusion. Aujourd'hui, l'orthodontie n'est plus seulement une affaire de mécanique, mais ce qui importe, c'est l'esprit qui fait le diagnostic et qui, par là même, va commander la thérapeutique. Bien qu'ayant souvent diverses incidences, chaque théorie apporte une pierre à l'édifice, et c'est dans cet esprit de collaboration, de contradiction, de débat, que l'orthodontie progressera, car l'orthodontie d'aujourd'hui prépare celle de demain. Et je terminerai par justement cette conférence magistrale de Julien Philippe qui nous a quittés, ça fait 2-3 ans. J'avais fait une dernière photo avec lui, c'était très émouvant quand il est parti. C'est un grand orthodontiste et il a beaucoup marqué l'orthodontie par toute la partie esthétique, la partie céphalométrie. C'était un grand penseur de l'orthodontie moderne et il a dit que le 20e verra sans doute un emballement de la technique. Il va être passionnant de courir derrière les innovations. Mais l'orthodontiste ne peut se détacher de l'homme, donc il doit tout connaître, de ses dents à ses rêves, car tout se tient. L'orthodontiste du 21e siècle devra vivre écartelé entre la rapidité des évolutions techniques et scientifiques et la permanence de la nature humaine. Homme écartelé et donc l'esprit large. Julien Philippe. Et je vous remercie de votre attention et je vous invite en Tunisie, bien que nous sommes encore bloqué un peu par ce Covid. J'espère que tout le monde va bien et que le monde se portera mieux et que l'humanité se portera mieux. Encore une fois, merci pour votre attention. Merci, professeur Benamor, pour cette riche présentation succincte. Moi, ça m'a fait repasser dans l'histoire qui a été si bien éditée par tes manières, comme à ton accoutumée, nous faire voyager dans le passé pour comprendre d'où est partie l'orthodontie, quels conflits ont eu Angle et les adeptes pour pouvoir intégrer la spécialité de l'orthodontie en tant que telle, et qu'aujourd'hui, après un siècle et un quart, on se retrouve en train de penser comment mieux faire. Alors moi, pour ouvrir après les débats par rapport aux questions qui sont déjà posées, et j'en choisirai quelques-unes, je suis là, c'est un peu tard, donc on prendra un petit moment, un petit quart d'heure pour discuter, ouvrir un débat. Donc si entre-temps, des personnes peuvent poser des questions par rapport à ça. Donc moi mon avis très personnel par rapport à l'orthodontie en général. Donc, comme tu l'as si bien dit, l'orthodontie est un métier formidable. L'orthodontie est un métier, est un job formidable. C'est le plus beau de toutes les spécialités dentaires. Alors, on va le dire, il y a moins de stress,
C'est très beau. On réveille le sourire parce que, comme vous le savez, le sourire est un réflexe inné. On est avec un sourire. Plusieurs, on prend beaucoup de photos et souvent, nous avons des photos de patients de face sans sourire qui sont un peu tristonnés avec des profils d'amertume, des profils tombants. Mais dès que le visage sourit, c'est la joie et la bonne humeur, l'expression des yeux, la brillance des yeux et tout ça, c'est un sourire qui est au fait inné parce que c'est un réflexe. Et en même temps que l'orthodontie est une spécialité qui est une spécialité très agréable, elle reste la spécialité la plus difficile en dentisterie. Et ben, je vous le dis pourquoi, parce que y entrer, c'est plus facile, c'est très facile, mais en sortir est très difficile. Beaucoup de nos confrères prennent l'orthodontie comme un atout facile, mais contrairement, après, on a presque le même nombre d'années d'expérience, oui. Et après plusieurs années, on devient sage. Et des fois, on préfère ne pas traiter des cas. Après 25 ans d'expérience en orthodontie, on préfère des fois laisser des canines ectopiques chez l'adulte parce qu'il a vécu 40, 50 ans avec. C'est pas la peine de l'embêter à lui en alignant les dents parce que on risque fort et bien de projeter les incisives vers l'avant et de mettre en faiblesse les incisives. Donc, s'il y a des questions avant de prendre celles qui sont déjà posées, je pense que tu as fait un tour de questions qui est vraiment intéressant parce que ça nous a fait voyager de l'orthodontie classique de technique de Beg vers la technique conventionnelle en passant par la technique de l'arc droit et en allant vers l'auto-ligaturon et toute l'intelligence artificielle qu'on peut avoir par rapport à tout ce qui est arc mémoire et forme, c'est-à-dire tous les arcs intelligents qui ont une mémoire de forme et la philosophie en principe de pouvoir traiter les cas comme on souhaite. Avec de moins en moins d'extraction. J'ai remarqué que tous les confrères aujourd'hui ont développé cette vision de globalité où on essaye au maximum d'extraire le moins. Parce que, vas-y, professeur. Non, absolument, justement. Comme on l'a dit, donc, il s'agit de ne pas corriger un encombrement dentaire pour créer un encombrement pharyngé, tout simplement. Voilà. Et notre slogan de médecine en général, c'est primum non nocere. Donc, quand un patient vient nous voir, c'est d'abord le conseil. C'est d'abord, est-ce que moi, j'accepte d'avoir un résultat in fine qui ne soit pas satisfaisant? Donc, le traitement de l'échec, l'échec avant de commencer, c'est quelque chose qui est très intéressant dans notre profession. Donc, j'ai vu qu'il y a docteur Imen qui a posé une question sur les attachements. Donc, elle a posé la question suivante, comment connaître la position exacte des taquets? Alors, Imen Dib, bonjour et merci pour cette question pertinente parce que on se pose la question pour les taquets orthodontiques, les taquets des aligneurs et leur position et comment pouvoir les poser. Alors, les taquets, je te laisse, professeur, répondre à cette question. Si tu veux, tu peux répondre, cher docteur. Alors, par rapport à… Merci, professeur. Donc, par rapport aux attachements ou taquets, alors, d'abord, pour parler de taquet, il est souhaitable de parler de mécanique orthodontique via aligneur, par l'aligneur. Il faut savoir, l'aligneur, c'est une alternative orthodontique qui permet d'aligner les dents à la place des bagues. Et comment? C'est le fait d'avoir le maximum de surface de contact entre le plastique et la dent, qui fait bouger la dent, contrairement à un braquette qui est collé et une gorge
et toute la pression, elle est induite par le fil, que ce soit en mémoire ou en action, en dynamique ou en mémoire. Alors, l'aligneur, il va aller exprimer la force ou l'induction de la force par le volume, enfin la surface qui est appliquée sur la dent. Donc, plus la dent, plus la surface est grande, mieux est l'optimisation du déplacement. D'où l'intérêt des taquets. Mais le taquet va augmenter la surface et en même temps, il va diriger la force. Un taquet qui va avoir un angle précis, il va aller induire une rotation dans un sens ou une agression dans un autre sens. Donc, les taquets ont connu une évolution extraordinaire parce que des taquets que nous pouvons nous-mêmes concevoir, chacun de nous peut aujourd'hui concevoir un taquet. Et en fonction des firmes avec lesquelles on travaille, il y a des taquets en deux familles. C'est des taquets qui sont conventionnels, c'est-à-dire que nous, on peut fabriquer en fonction de toute la mécanique de tout un chacun. Si à partir du moment où on comprend que c'est le volume, c'est la surface d'appui qui fait agir la dent. Et bien, quand on veut égraisser une dent, et bien, il faut chercher à avoir le maximum de volume dans le sens de l'agression. Et que si on veut ingraisser, c'est inversement. Et quand, si on veut faire une distorotation, et bien, cette distorotation, elle va avoir un taquet qui va avoir deux sens. Un sens qui va aller augmenter la surface d'appui vers le sens du mouvement. Et l'emplacement, en fait, pour revenir à répondre à la question, l'emplacement dépend, en fait, du praticien et dépend du logiciel avec lequel on travaille. Seulement, les grandes firmes telles que Invisalign ont investi énormément d'argent dans la recherche et développement et grâce à toutes les données qu'ils ont pu occulter et bien sûr étudier et conserver dans une très grande base de données. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Invisalign, sans faire de communication sur ce point-là, ils sont arrivés à traiter 10 millions de cas. Alors, vous imaginez 10 millions de cas et combien de dons, on va dire en moyenne 10 dons par arcade, ça fait 10 millions fois 20 dons, ça fait 40 millions de mouvements encaissés dans une base de données qui est très, très riche. Donc, la force de ces firmes-là revient sur la force de la data. D'ailleurs, aujourd'hui, la data, c'est quelque chose qui donne la force à une entité. Et donc, du coup, cette intelligence va permettre et calculer comment on peut, en fonction de chaque mouvement, optimiser et rendre meilleur le déplacement d'une dent dans un lieu précis. Alors, le fait est de choisir exactement à un point précis en fonction du contour anatomique, en fonction du volume de la dent, en fonction de la platitude de la dent, en fonction de sa forme et de son mouvement, on détermine quel type d'attachement on pose via ce qu'on appelle des gouttières de transfert qu'on imprime en préalable. C'est des templates ou des gouttières de transfert dans lesquelles on colle du composite ou équivalent pour coller sur les dents. Et la suite algorithmique, elle va suivre sur la suite des aligneurs. Voilà pour répondre à la question de l'attachement et de son emplacement. Au fait, aujourd'hui, comme tu l'as très bien dit, professeur, l'orthodontie, à mon sens, l'orthodontie moderne est une orthodontie qui respecte le visage. C'est une orthodontie qui customise, qui personnalise le visage en fonction de chacun. Donc, en respectant le processus alvéolaire, en respectant finalement l'os alvéolaire. Donc, on fait de l'orthodontie osseuse. On ne fait pas de l'orthodontie dentaire parce qu'aligner les dents, tout le monde peut faire. Donc aujourd'hui, le message que nous voulons transmettre à nos confrères, c'est de pouvoir penser au fait que comment on peut aujourd'hui sauver une dent. Alors sauver une dent, c'est sauver son ancrage.
tous, nous tous, on tient un ancrage, on tient à la vie. Et bien, la danse, c'est pareil. Elle doit tenir à sa vie et c'est grâce à l'os alvéolaire. Donc, faire tout pour éviter que la dent se mette en position de faiblesse. Voilà, professeur, ce que j'avais à dire par rapport à ce sujet. L'orthodontie, c'est un grand amour. En tout cas, moi, comme toi, je suis très passionné par l'orthodontie. Et sincèrement, je suis heureux d'être orthodontiste aujourd'hui. Et tu sais, la finalité, c'est quoi, professeur? C'est qu'aujourd'hui, je suis heureux d'avoir une vision dans la globalité. Vous savez que l'orthodontiste développe une vision de globalité. Un bon orthodontiste, il va super bien implanter en implantologie. Un orthodontiste, il va super bien implanter en implantologie. Sincèrement, parce que j'ai vu des orthodontistes se donner à l'implantologie et j'étais bluffé par la manière dans laquelle il plaçait les axes parce que l'orthodontiste, il sait où la couronne va être, donc il va implanter là où il faut. Donc, je recommande à tous les confrères d'avoir cette formation au moins pour comprendre ce que c'est. Donc, la multidisciplinarité, c'est quelque chose d'extraordinaire et on est tous ensemble pour avoir quelque chose de sérieux et de durable dans le temps. Voilà, professeur. Oui, cher ami. À toi la parole, mon ami, pour voir si on a encore une question. Oui. Alors, tout le monde est bien content parce que le sujet, il est thématique. C'est un sujet c'est un sujet de réveil, c'est un sujet de prise de conscience, c'est un sujet qui permet au fait de se poser des questions et c'est simplifié comme il a été fait. Moi, franchement, j'ai beaucoup apprécié ta manière de comme tu sais très bien faire. Très simpliste. Il te faut que le top J pour compléter ton angle d'incidence. Oui, je me rappelle toujours de au dîner à Casablanca, là, c'était extraordinaire. Ouais. Alors, c'était super, c'est une bonne expérience. Et d'ailleurs, je te remercie parce que grâce à toi et grâce au professeur Topji, pas mal de praticiens ont eu la conscience de faire l'orthodontie selon leurs limites. Et c'est ça qui est beau, c'est connaître ses limites. Moi, j'ai des confrères avec qui je collabore, qui sont très respectueux parce qu'ils connaissent les limites, ça je fais, ça je ne fais pas. Quand je fais, quand je sais faire, je fais. Et quand je ne sais pas faire, il faut laisser faire. Et c'est ça là, le rôle d'un bon médecin en général. Et on est d'accord, on prend la même orthodontie, c'est-à-dire une orthodontie médicale. Donc, on est des médecins et on est très fiers. Bien sûr. Voilà. Alors, quels sont les cas cliniques nécessitant un CONBIM ou les signes cliniques qui nous oriente vers le CONBIM? Alors, le CONBIM, avant de parler de CONBIM et de moyens, il faut savoir une chose. L'orthodontiste est lié par un contrat de moyens vis-à-vis de ses patients. Donc, à chaque fois qu'il a la possibilité d'avoir des moyens diagnostiques, eh bien, il en prend. Maintenant, avant, le débat, c'était que le scanner était trop irradiant, le dosage était trop élevé. Maintenant, avec la technologie CONBIM, c'est des cônes qui ont réduit la quantité de radiation de telle manière à ce que la personne n'est pas irradiée d'une manière assez forte. Donc, le danger des rayons X a été démultiplié par une dizaine de doses. Et donc, du coup, aujourd'hui, de plus en plus de cabinets se sont dotés de CONBIM parce que l'intelligence de la technologie a fait que dans une seule machine, on peut avoir et la radio panoramique, et on peut avoir et la téléradio de profil, et en même temps, on peut avoir même le CONBIM de secteur. Donc, on peut aller de 5 cm3. Maintenant, le plus gros volume, c'est à 19 cm3. Et donc, ça permet aujourd'hui, ça va être l'avenir, de pouvoir aujourd'hui idéalement, voir les espaces interradiculaires et le volume
osseux qui est autour de chaque racine, parce que l'orthodontie, ce n'est pas le déplacement uniquement de la racine, de la couronne, mais c'est essentiellement de la racine. Donc, si on peut préserver, et c'est mieux. Donc, se donner les moyens de faire un combim permet au fait de limiter et de quantifier et d'optimiser, de personnaliser chaque mouvement. Quand une dent est trop vestibulée et qu'on est obligé de la lingualer, et quand l'os ne le permet pas, eh bien, le colbim va donner des renseignements sur la table externe, sur la table interne, pour dire, aïe, cette dent-là, elle nécessite une personnalisation de mouvement radiculaire, et donc, ça va préserver. D'où l'intérêt de toute la technologie qui va venir. N'est-ce pas, professeur? Absolument. Donc, c'était une très bonne question. Donc, c'est vraiment que ça veut dire que c'est vraiment mon médecin dentiste qui est très consciencieux, un orthodontiste, parce que absolument, quand on fait des déplacements, parfois, surtout quand on fait de l'expansion, on risque de sortir des corticales vestibulaires, et par conséquent, le conduit nous permettra de vérifier où on en est. Le cone beam aussi est, par exemple, on va revenir à l'implantologie. En France, en implantologie, il y a une dizaine d'années, on n'avait pas le droit de prescrire un cone beam. Maintenant, il est impossible de poser un implant sans le cone beam. Ça va venir au Maroc. Hein. Impossible de poser un implant sans le cone beam. Parce qu'il y a eu des accidents, il y a eu des plaintes, il y a eu des problèmes. Et puis, un cone beam, aujourd'hui, il est plus aussi cher qu'avant. Aujourd'hui, un combi est devenu de plus en plus accessible. C'est un moyen aujourd'hui de diagnostic extraordinaire parce qu'il va, au fait, donner toutes les précisions dans l'espace où une radio panoramique ne va le donner que dans le deux dimensions. Donc, on a l'impression que deux racines se touchent alors que dans l'espace, elles sont loin de 2 ou 3 millimètres. Avec le respect de 2 mm que chaque dent nécessite, donc on pourra voir le degré de déplacement et l'optimisation. L'idéal, en fait, c'est de faire un jour, l'idéal, mais ça va venir, ça. La proaction, c'est celle-là, c'est la suivante. Tous les cabinets dans l'avenir vont se doter de conbeam parce que la technologie va tellement évoluer et les capteurs sont tellement en train d'évoluer. Et toute la technologie médicale, elle vient de la technologie militaire. Et la technologie militaire, elle a vachement évolué. Elle va nous laisser place à la technologie médicale qu'on va pouvoir utiliser de manière optimisée et sans danger pour le patient. On utilise un combi maintenant pour les canines incluses, pour les déplacements dentaires, pour l'implantologie, pour le redressement d'axe. L'indication est multiple. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Après tous les remerciements, franchement, c'est intéressant parce que aujourd'hui, le Covid nous a éloignés, mais le web nous a rapprochés. Webinaires nous ont vraiment rapprochés. J'ai appris énormément de choses pendant le Covid, beaucoup de choses, énormément de choses. Moi, j'ai construit mon avenir, ma retraite pendant le Covid, ça m'a permis de me remettre en question, ça m'a permis de construire beaucoup de choses qui me passionnaient. J'avais le temps de faire plein de choses qui attendaient dans le tiroir. Et voilà, donc je pense que c'était le cas de tout le monde et ton cas aussi. Oui, moi, je voulais te poser une question, professeur, par rapport à votre épouse. J'avais suivi une conf à Cannes, à Monaco, il me semble, sur tout ce qui est injection d'acide hyaluronique sur les papilles gingivales. Et je voulais savoir qu'en est-il, quelles sont les nouvelles recherches, est-ce que tu peux nous en parler? On aurait pu lui demander d'être avec nous là, mais enfin, on l'utilise encore et c'est toujours l'acide hyaluronique assez réticulé qui monopolise notre attention pour justement le recouvrement des papilles et avec un contrôle assez régulier. Donc, on arrive à vraiment reconstituer ces papilles à long terme.
Donc, on a toujours de très bons résultats. Et donc, nous, c'est Juvaderm encore qu'on l'utilise. Et je pense qu'aujourd'hui, tu le vois bien, il y a des firmes qui s'implantent et y a une évolution également dans cette approche. L'acide hyaluronique est rentré dans nos mœurs thérapeutiques, que ce soit sur la gencive ou sur les lèvres ou ailleurs. Donc, il y a pas mal on a de très bons résultats. Mais Est-ce qu'il y a dommage. un recul basé d'évidence sur ce sujet? Non, je pense pas. Si j'ai un article, je te l'enverrai. Si j'ai Ah un ben j'aimerais article. bien parce que je suis intéressé par la papille en ce moment. Et donc, quand j'ai de plus en plus de cas adultes que je traite, eh ben, y a beaucoup d'adultes qui ne veulent pas aller vers la chirurgie. Et donc, Ah oui. l'alternative du gonflement de la papille avec l'acide hyaluronique réticulé peut donner un service sous forme d'abonnement tous les 6 mois, il me semble. C'est bien ça. C'est toujours 6 mois, et après, une donc, rémission de 6 mois. après, justement, il y a en fait, on le fait plusieurs fois, quoi. 6 mois, et après, donc, on refait, quoi. Très, très bien. Parfait. Ben, si tu as un article, merci de le partager. C'est très, très Et bien. est-ce qu'il y a une autre question qui est tombée? Voilà, donc Salut tous mes amis. Écoute, je moi pense j'étais un que peu. il est tard chez nous, chez vous, et Oui. ça fait déjà presque 2 heures qu'on est ensemble. Ça fut un plaisir Vraiment. d'apprendre. Et vraiment, je salue tous mes amis marocains et un peu partout qui nous suivent. Je salue surtout le docteur Mohamed Benaziz pour ses efforts là, bien sûr, avec la chaîne YouTube, avec donc c'est ça permet de faire progresser la science. Bravo encore une fois. Eh ben, à mon tour de vous remercier, professeur, d'avoir accepté de nous animer ce sujet. Et comme à ton accoutumée, aussi généreux, on attendra ta visite au Maroc pour nous Allah. parler plus de biomécanique Ça. jumelée avec ton copain et ton compagnon, notre Allez. ami Tobji, que je te demande gentiment de saluer. Eh ben, je dis à tous mes confrères. Je remercie Dr. Mohamed Benazeïs qui est toujours généreux de partage, qui nous lie par cette étude prospective d'aller vers l'avant et dans le sens du partage de la formation continue. Et j'encourage tout le monde à revenir à la classe et revenir à l'école parce que c'est vraiment motivant pour nous. De mon côté, je vous salue, je vous souhaite une fin de soirée excellente et un bon dimanche. Qu'on apprend toujours. J'ai Bien beaucoup appris. sûr. Bon dimanche. Et Merci, Inch'Allah. mon ami. Merci beaucoup. Merci à vous tous, mes amis. À très, très bientôt. Très, très Un grand bientôt. Au merci revoir. pour tous. Au revoir. Merci, Fatem Zahra Naji. Merci. À très, très bientôt. À très Bye bientôt. Bye. bye. Bye.